Bonjour, je vous propose une tarte aux pommes. Alors, il vous faut un goulot de pâte brisée, un sachet de sucre vanillé, deux pots de compote, 30 g de poudre d'amande, 6 à 7 pommes et un moule. On va commencer par peler et couper les pommes. Donc là, quand vous avez épluché et coupé les pommes, nous allons mettre la pâte dans notre plat, la piquer, mettre la poudre d'amande et la compote dedans. La pâte est mise dans mon plat, je vais bien la piquer. Vous mettez à préchauffer votre four à 180 degrés. Maintenant, là, vous piquez bien votre pâte avant de mettre la compote et la poudre d'amande. Là, quand vous avez mis la compote et la poudre d'amande, nous allons étaler nos pommes dessus. Donc là voilà, ma tarte est prête. Je vais rajouter le sachet de sucre vanillé par-dessus, comme ça. Si vous avez du sirop ou de la confiture de pommes, vous pouvez badigeonner un petit peu par-dessus et l'enfourner pendant 25 minutes au four à 180 degrés. Et voilà, elle part pour 25 minutes à 180 degrés. À tout à Et l'heure. voilà ma tarte sortie du four. 25 minutes plus tard, on va la laisser refroidir et on la dégustera. Bon appétit!